Tio, voilà, finalement je suis là. Bien, merci d'être venue, madame. Si on m'avait dit que de bonnes viendraient me voir un jour. Alors vous êtes bonne sœur. Ouais. Venez donc. Sachez que je suis là pour vous écouter. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Vous êtes franche en tout cas. Pourquoi vous dites ça? Vous n'avez jamais fait ça avant. Non. Vous n'avez jamais été aussi près d'un meurtrier. Pas à ma connaissance. Vous habitez Cité Saint-Thomas. Il y a plein de nègres qui se dégomment entre eux comme des boîtes de conserve. Quand j'ai lu votre lettre, en lisant Hélène, j'ai cru que c'était mon ex. J'ai failli la déchirer. C'est elle qui m'a balancée. Elle a alerté les flics. Et à cause d'elle, notre gamine est privée d'un père. Vous avez un enfant? Un tolard avec un môme. Garçon ou fille? Fille. Comment elle s'appelle? Vous posez beaucoup de questions. C'est que je ne sais rien de vous. Bah, ça n'a pas d'importance. Dans la lettre, vous dites que vous bossez pour des pauvres. Votre père est avocat. Vous venez d'un milieu où il y a du fric. Un peu. Et vous crêchez dans une cité. Là, je biche pas. C'est qui est cinglé? C'est vous ou c'est moi? Je travaille là où j'habite. Ouais, dans la zone. Vos parents étaient pauvres. On est tous pauvres dans le couloir de la mort. Ça nous fait un point en commun. Comment ça? Nous vivons tous les deux avec les pauvres. Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait. J'ai été informée par l'aumônier. Pas vrai. Un vrai cureton, celui-là. J'ai tué personne. C'est Karl qui a pété les plombs. J'avais les jetons, j'ai fait ce qu'il me disait. J'ai tenu le môme tranquille, il les a tués. Et vous les regardiez pendant qu'il les tuait? Moi et Karl, on était décalqués à l'alcool, à l'acide et au barbiturique quand ça s'est passé. Mais je les ai pas tués. J'ai tué personne, je le jure. Ali. Pardon? Elle s'appelle Ali. Elle est mignonne. Elle doit avoir 10 ou 11 ans. Quand elle est née, j'étais en train de purger ma première peine de prison. Je l'ai vue qu'une fois. L'entretien se termine dans 5 minutes. Écoutez, il va y avoir un vrai massacre ici. Ils vont zigouiller ce mec là, Tobias, ce soir. Les matons font les paris pour qui sera le prochain et je fais partie des favoris, ça craint. J'ai rédigé mon pourvoi en appel, mais je peux pas aller le déposer. Vous feriez ça pour moi? Vous avez rédigé un pourvoi? Ouais. Dos au mur, on apprend vite. Même le droit. Ma 6e année dans le couloir de la mort, j'ai potassé tous les bouquins sur le code pénal que j'ai pu trouver. Là-dedans, il y a tous les détails de mon procès. Alors, si vous y mettez du vôtre et que vous me trouvez un avocat, on peut pourvoir en appel. Vous ne reviendrez pas, c'est ça? Oh non! Je ferai de mon mieux.
Merci de votre confiance. Vous êtes venu me voir simplement. Vous me faites pas chier avec des bondieuseries. Et ça, c'est sympa. Vous êtes courageuse. Et puis, vous vivez dans un quartier où les nègres sont armés. Pourquoi vous êtes religieuse? J'ai dû me sentir attirée. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est comme si je vous demandais pourquoi vous êtes en prison. Pas de chance. Disons que j'ai eu de la chance. J'ai une famille qui m'aimait, qui me soutenait. J'ai dû me sentir obligée de redistribuer ça. Et les hommes? Ça ne vous manque pas? Vous n'avez pas envie de vous marier? De tomber amoureuse? De faire l'amour? Quoi? Vous ne voulez pas en parler? J'ai des amitiés très proches, masculines et féminines. Je n'ai pas vécu l'intimité sexuelle, mais on peut partager d'autres choses aussi fortes, comme les pensées, les rêves, les sentiments. On a une intimité, nous, là. Maintenant. Ma sœur. J'aime bien être seule avec vous. En plus, vous me plaisez bien. Oh. Quel culot. Vous risquez de mourir dans quelques jours et vous me faites une scène d'ado en pleine puberté. Je ne suis pas un jouet, Mathieu. Ayez un peu de respect. Pourquoi je vous respecterais? Pour ce que vous faites? Pour la petite croix que vous avez autour du cou? Une personne. Et toutes les personnes méritent le respect.